Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de Famille. Il est l'heure de retrouver Conseil de Famille sur Sud Radio. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossier. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir nous accueillons Héloïse Bidot. Bonsoir. Bonsoir. Eh oui, Héloïse Bidot, vous êtes groupe manager gestion locative chez Century 21 France et la gestion locative c'est votre métier depuis 18 ans. Oui. Alors, Héloïse, on se pose souvent la question de gérer en direct ou de passer par un gestionnaire locatif. Si vous deviez lister tous les avantages à passer par un gestionnaire, quels seraient-ils ? Alors, d'abord, l'investissement immobilier, c'est forcément le fruit de réflexion et d'un effort financier important. Gérer un bien ne se résume évidemment pas à louer un appartement, à encaisser un loyer mensuellement ou faire un état des lieux, c'est bien plus complexe. En réalité, faire appel à un professionnel de l'immobilier, c'est faire appel à un tiers de confiance qui va intervenir dans cette relation bipartite pour assurer l'équilibre. Alors, faites-nous la liste de ces avantages. Alors, plusieurs avantages évidemment, quatre enjeux si je puis dire. Le premier, c'est sécuriser les revenus locatifs de notre client bailleur. Le professionnel aura pour objectif d'optimiser les loyers et les charges de notre client. Pour ce faire, il va intervenir tout au long de la location et je dirais même en amont de la location. D'abord, pouvoir conseiller le propriétaire sur le bon loyer. Le bon loyer, c'est quoi ? C'est évidemment le loyer qui va répondre aux contraintes du marché, mais aussi aux contraintes réglementaires, fonction évidemment de certaines zones, je pense notamment au régime de défiscalisation ou aux zones d'encadrement de loyer. Évidemment, en amont de la location, c'est aussi procéder à un contrôle rigoureux du dossier de candidature du candidat locataire, pour éviter toute défaillance du locataire. Et puis sécuriser, c'est tout au long de la vie du bail pour optimiser la rentabilité locative de notre client. Ça en passe par une comptabilité suivie et transparente. Et puis sécuriser, en dernier lieu, c'est évidemment pouvoir proposer à notre propriétaire bailleur une assurance loyer impayée la plus compétitive possible, de façon à couvrir une éventuelle défaillance du locataire. Alors, second avantage. Deuxième avantage, c'est pérenniser le bien. Alors, pérenniser le bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans un premier temps, optimiser la location et la relocation du bien dans les meilleurs délais et conditions possibles. Et puis pérenniser, c'est prendre en charge aussi un ensemble d'éléments techniques. Alors je pense aux travaux, aux sinistres, aux contrats d'entretien obligatoires, aux diagnostics techniques et puis évidemment aux travaux de performance énergétique qui sont au cœur de nos préoccupations en ce moment. Le gestionnaire aura à cœur et à charge de veiller au bon état d'entretien et de conservation du bien qui lui aura été confié. Troisième avantage ? Troisième avantage, c'est valoriser et optimiser le patrimoine de notre client, c'est de le conseiller au mieux, l'accompagner dans une option fiscale par exemple, lui adresser une information régulière sur la législation de notre activité, qui est riche et qui est en perpétuelle évolution, et puis simplement l'informer de la situation locative de son bien à chaque instant. Et voilà, tout ça est très clair, j'espère que ça aurait été aussi clair pour vous. Il en manque un. Alors, quel quatrième avantage ? Et le quatrième avantage est le plus important, si je puis dire, si je devais les hiérarchiser. Je parlais de tiers de confiance tout à l'heure. En fait, c'est de pouvoir s'appuyer sur un professionnel dont c'est le métier, qui est formé, qui a les compétences techniques, les compétences juridiques, enfin je pourrais en citer beaucoup. C'est faire appel à un professionnel formé, de proximité géographique bien sûr, mais de proximité dans la relation. Et moi j'ai adage de dire, et c'est les valeurs de notre beau réseau, une agence de proximité pour une gestion en proximité. Et merci Héloïse Bidot, voilà encore des raisons de faire appel au service d'un bon gestionnaire locatif. Vous retrouvez évidemment toutes nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio, sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, ou encore sur le site de Conseil de Famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de Famille. Avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.